que nous connaissons, c'est nous-mêmes les hommes qui les avons créés. En partant de la terre, le Seigneur n'a pas laissé une religion. Il a laissé son esprit. Et il a laissé des disciples. Et il veut qu'on marche par l'esprit. Et d'ailleurs, la parole nous dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui pratiquent une religion, mais ce sont ceux qui sont conduits par l'esprit. Mais par habitude, parfois on lit la Bible par habitude, on va prier par habitude, ça devient comme des incantations, des prières sans force. On lit la Bible, on ne la comprend pas, c'est comme si c'était notre livre de chevet. On la lit de manière intellectuelle et la parole qui est vivante n'agit même plus en nous. Et aucune transformation ne s'opère. Nous sommes là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, dans le Seigneur, nous disons, mais il n'y a aucune transformation. Les gens ne sont même pas étonnés de ce que nous sommes devenus parce qu'ils voient qu'on n'a pas changé, nous sommes les mêmes. Parce que nous avons sombré dans un esprit de religion et nous nous laissons conduire par cet esprit plutôt que par l'esprit de Dieu. Le thème, nous allons dire, c'est un air de déjà vu, un air de déjà connu, c'est la même chose. Non. Ne nous habituons pas aux choses spirituelles. Soyons toujours dans l'étonnement de ce que Dieu fait. Quand nous venons dans la maison de Dieu, le message est nouveau. Il y a quelque chose que Dieu veut communiquer. Quand nous disons, on a déjà entendu ça, on a déjà prêché sur ça, nous commençons à nous installer dans la religion. Ne soyons pas des religieux, soyons des hommes et des femmes spirituels. Alors que nous allons écouter la prédication de ce matin, j'aimerais vraiment que nos cœurs soient attentifs, que notre esprit soit en éveil par rapport à ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin au travers de ce message, au travers de son serviteur. Amen. Je vais donc demander aux chanteurs et aux musiciens de nous conduire un moment dans la louange et l'adoration. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Ça va bien, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de notre Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux aller donner un magnifique sourire à ton voisin? Demander comment il a passé la semaine. Gloire à Jésus. Avec un joli sourire. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Je ne vois pas des jolis sourires. Nous allons proclamer ensemble que Jésus est puissant. Aïe, 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 ça ne manque pas. S'il est puissant, aïe, 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 aïe. Yeah.
que quelqu'un voit comment maman Marcel danse pour Jésus ce matin? Alléluia. Mais mon frère, toi qui es jeune, pour le Seigneur, quand il s'agit du Seigneur, lâche-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh,
tu viens assister avec Jésus. Salut ce matin. Honneur et gloire à toi, Jésus. Nous te célébrons. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternel. Je porte en moi la nature de vie. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte
amen, 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 amen. Il est vivant. Nous portons Christ en nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé, que son nom soit béni parmi les hommes, que son nom soit acclamé. Emmanuel, Dieu est avec nous. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est avec toi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous pourrons nous rasseoir dans la sainte présence de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons inviter l'ancien Rick qui va nous partager la pensée de Dieu pour nous ce matin. Amen. Il est puissant, puissant, puissant. Il agit en moi. Il agit en moi. Ressusciter Jésus d'entre les morts habite en nous. Tu es trop calme ce matin, je ne sais pas pourquoi. On est en train de te dire que Jésus-Christ vit en toi. Son esprit est en toi. Et cet esprit-là, c'est le même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Imagine-toi un peu ça. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Mais qu'est-ce qu'il ne te donnera pas aussi? Qu'est-ce qu'il ne fera pas aussi pour toi? Qu'est-ce qu'il ne fera pas en toi? Je pense que tu ne te vois pas encore comme tu es. Tu es un être bizarre. Tu es un être à part. Tu es un être extraordinaire. Tu es un être qui n'a jamais existé auparavant. Parce que l'Esprit de Dieu, du Maître de l'univers, vit en toi. Tu es un être extraordinaire. Superman même ne peut pas faire ce que toi tu es capable de faire. Quels que soient les pouvoirs des super-héros, ils ne sont pas capables de faire ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Amen.
amen, amen, amen. En fait, ce matin, ce que je vais partager avec nous, je pense que les chants peuvent s'asseoir. Merci. C'est qu'on ne prend pas aussi conscience. On ne prend pas assez conscience de la personne que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de progresser dans la foi et dans la connaissance de Christ. Parce que c'est quand tu atteins un certain niveau de foi, certainement, quand tu prends conscience véritablement de qui tu es, quand tu connais Jésus-Christ, tu sais toi-même qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire et tu sais toi-même que ta vie ne peut plus être la même. Lorsqu'on parle, en général, quand on parle de ça aux chrétiens, quand on évangélise même, on demande aux gens de faire ce pas de foi, de donner leur vie au Seigneur, on ne veut pas vous dire que votre vie sera maintenant merveilleuse. Votre vie sera magnifique, votre vie va changer, mais votre vie change véritablement. Et ça va pas devenir en Christ, ne vous rendra peut-être pas plus beau physiquement, plus riche, mais ça va vous donner quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Jésus-Christ lui-même. En hébreu, il nous dit qu'il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous délaisser. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, Christ est toujours là avec toi et c'est le plus important. Tant qu'il est là à tes côtés, rien ne peut t'arriver, rien ne peut se passer. Et même si tu connais la mort, tu es assuré d'être auprès de lui. C'est pas merveilleux ça? Nous devons prendre pleinement conscience de la nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus-Christ. C'est un être qui n'a jamais existé auparavant. On nous dit que Adam était quoi? Un être vivant, un esprit vivant. Mais nous, nous sommes devenus un esprit vivifiant, un esprit qui porte la vie et qui partage la vie. C'est magnifique. Faisons chaque jour l'expérience. J'ai la vie en moi. Quel que soit ce qui se trouve en moi maintenant, je peux partager la vie qui est en moi à cette personne. Regardez, vous pensez que lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un et qu'il donne sa vie à Christ, c'est pourquoi? C'est parce que vous avez bien parlé, vous connaissez toute la Bible, vous avez utilisé de belles tournures, de beaux mots, non? C'est la vie qui est en vous, qui est rentrée dans le cœur de cette personne. Voilà ce qui s'est passé. Amen. C'est parce que on ne se connaît pas encore bien et parce qu'on ne sait pas encore tout à fait ce que Dieu réalise, on n'a pas encore véritablement pris conscience de ça, qu'on ne sait pas. On ne peut pas voir tout ce qui se passe, mais on doit déjà comprendre au moins certaines choses. Amen. Voilà pourquoi il est important de progresser dans la foi et dans la connaissance de Christ. Dernièrement, moi j'aime beaucoup chanter, mais Dieu dit dans sa parole que nous devons être tous des adorateurs. Donc, malgré ma voix de crapaud, moi, j'adore le Seigneur avec ma voix. Amen. J'adore le Seigneur avec ma voix. Et donc, j'ai une chanson que j'ai... Je sais pas, dès que je suis rentré chez moi, j'ai commencé à fredonner ça. C'est une chanson de McDowell, je pense. Il s'appelle McDowell. Il s'appelle comment? Willie. Et Tasha Cobbs, Even Now. Vous connaissez cette chanson? Even now you can do it. Bon, moi, je chante mal, mais c'est quoi? Et en fait, dans la chanson, après, quand il parle... Il m'a fait prendre conscience qu'il parlait de l'histoire de Marthe et Marie avec Lazare en Jean 11, lors de la résurrection de Lazare. Parce que c'est en Jean 11 que Marie lui dit « Even now, même maintenant, maintenant même, tu peux encore dire quelque chose. Tu peux encore demander quelque chose à Dieu et il va te l'accorder. Mon frère est mort, c'est vrai. Mais maintenant même, je vais retrouver le passage, c'est en Jean 11, je pense au verset 22. Verset 22, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Waouh! Maintenant même. Et je me suis dit, mais cette femme, c'est une femme de foi. C'est véritablement une femme de foi. Elle savait déjà que Jésus peut ressusciter son frère. Amen. Parce qu'elle lui dit que ce que tu vas demander, le Seigneur va te l'accorder. Mais après, quand on lit bien l'histoire, on trouve que mais la sœur, là, Marthe, là, elle a quand même un petit souci. Un coup, sa foi est en haut, un coup, sa foi descend, un coup, sa foi va à gauche, un coup, sa foi à droite. Mais ta foi, là, elle aussi, trop, elle va... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Marthe?
Pourquoi tu n'es pas sûr de ta foi? Pourquoi tu n'es pas stable dans ta foi? Pourquoi tu n'es pas ferme dans ta foi? Vous connaissez cette histoire, non? On va lire quelques passages ensemble. Jean 11, au verset 20, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle sait déjà, elle a foi déjà en Dieu, en Jésus, qui peut tout faire. Verset 22, « Mais maintenant même, » donc sa foi était déjà au niveau là, mais elle fait progresser sa foi encore à un autre niveau, « Mais maintenant même, » tu pouvais guérir mon frère, d'accord. Mais maintenant, il est mort. Moi, je sais aussi, maintenant même, que si tu demandes à Dieu quelque chose, il va te l'accorder. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'est là que le problème commence. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivant, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Est-ce que vous voyez comment la foi de Marthe, change à ce moment-là? Et plus loin, quand Jésus va dire qu'on va ouvrir le tombeau, il dit que, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Marthe, finalement, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais quel est le problème avec ta foi? Tu reconnais même que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Ça veut dire que je peux tout faire, donc, si tu le reconnais. Mais quand je veux maintenant m'apprêter à faire ça, tu me dis non, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il... Mais Marthe, finalement, tu veux quoi? Est-ce que tu peux demander à ton voisin, tu veux quoi mon frère, tu veux quoi ma sœur? Ta foi est à quel niveau finalement? C'est le frère Eric Macon qui disait que ça tombe dans notre estomac et puis après ça termine dans les lieux secrets. Est-ce que ta foi est tombée dans ton estomac pour finir dans les lieux secrets? Amen, amen. Nous devons avoir une foi ferme, une foi stable, une foi inébranlable, quels que soient les événements, quelles que soient les épreuves que nous affrontons. Dieu est avec nous. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais, quelle que soit la situation. Tant que tu sais que le Seigneur est à tes côtés, réjouis-toi. Réjouis-toi. Amen. 2 Pierre 1, du verset 1 au verset 8, c'est notre texte de base. Le thème de ce matin est « Progresser dans la foi et dans la connaissance de Christ ». De Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance à la patience la piété, à la piété à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette épître, Paul l'adresse à des chrétiens.
pour leur dire que en ce moment, vous êtes en train d'écouter des enseignements particuliers où les gens viennent remettre en question les enseignements que nous, les apôtres du Christ, nous vous avons donnés. N'écoutez pas ces gens. N'écoutez pas ces gens. Ces gens sont là pour vous perdre. Ils sont en train de partager au milieu de vous des hérésies. Et si vous continuez à les écouter, vous n'irez pas plus loin que ça. Il essaie donc de réaffirmer et de rétablir ce qui est important, les vérités bibliques sur lesquelles nous devons être fondés. Plus tard, Martin Luther appelait ça, on appelait ça les solas avec Martin Luther. Il y a 5 solas. Vous avez certainement entendu parler de ça. C'est vrai que c'est plus à l'Église catholique qu'on en parle, parce que c'est en latin, et que là-bas, ils ont gardé le latin encore pour certaines de leurs réunions. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Christus, et je sais que le dernier, c'est Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Mais il y en a 5. Et l'apôtre Pierre voulait réaffirmer au moins 3 vérités. Premièrement, c'était sola scriptura, l'autorité de la parole de Dieu sur toute chose. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Et ensuite, il voulait leur parler de la primauté de la foi sur toute chose. C'est par la foi que nous, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et enfin, il voulait qu'ils aient l'assurance du retour de Christ. Jésus-Christ n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, je vais vous préparer une place auprès de mon Père. Et vous viendrez me rejoindre. Je vais revenir pour vous chercher. S'il l'a dit, il ne peut pas mentir. Je dois avoir l'assurance de son retour. Et donc, il voulait réaffirmer ça à ses frères chrétiens qui avaient commencé à chanceler aussi dans leur foi et dans leur connaissance. Qui avaient commencé à accepter, à épouser d'autres doctrines qui était contraire à la foi que nous professons. Amen. En faisant les recherches pour cet enseignement et en regardant les écritures, je me suis rendu compte que le récit de la création du monde, dans ce récit, Dieu avait tout créé en injectant à l'intérieur de chaque chose le principe du progrès et du développement. Parce que rien de tout ce qu'il a créé n'a pour finalité de rester statique. Amen. Tout ce que Dieu a créé connaît des transformations, passe de transformation en transformation. Du coup, les évolutionnistes, vous connaissez les évolutionnistes, ceux qui pensent que l'homme était d'abord un gorille avant de devenir homme. Il est passé par homo ceci, homo sapiens, homo ceci, jusqu'à devenir homme finalement. Ils n'ont vu que ce côté-là, et donc ils ont mis en avant leur théorie avec Charles Darwin. Ils n'ont mis en avant que cette partie-là pour dire que tout évolue. Mais ils n'ont pas compris toute la vérité derrière ça. Ah, pourquoi il ne faut même pas rentrer? C'est vrai, il y a tout ce débat qui est nourri entre les créationnistes, ceux qui pensent comme nous que Dieu a tout créé en 6 jours, et eux, les évolutionnistes, qui pensent que tout se transforme. On ne doit pas aller au débat avec eux. On doit camper, quoi que ce que ce soit, quelles que soient leurs idées, leurs arguments, on doit savoir que c'est Dieu qui a créé toute chose et il l'a fait en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Donc, tout évolue. Tout évolue. Lavoisier dit quoi? Qui connaît la phrase d'Antoine Lavoisier? Il dit, rien ne se perd, tout se crée. Non. Voilà, tout se transforme. Rien ne se perd. Rien ne se crée, tout se transforme. Amen. Dieu a déjà tout créé. Il a tout créé en 6 jours. Est-ce que vous savez que nous tous ici assemblés ce matin, Dieu nous a tous créés le même jour? Dieu nous a tous créés le même jour. Mais la manifestation de chacun de nous arrive au temps de Dieu, au temps marqué par Dieu. Dieu a d'abord créé Adam. Ensuite, il a formé Adam à partir de la poussière de la terre. C'est 2 étapes différentes. Parfois, on se dit, on ne comprend pas, on lit d'abord en Genèse 1, il a créé l'homme, il a créé la femme. Après, on nous dit qu'il a formé l'homme. Après, il a pris une côte de l'homme. Parfois, les gens peuvent se perdre, mais c'est pour vous dire que Dieu a tout fait d'abord comme ça.
en 6 jours. Et tous les hommes, tout ce qui existe sur la terre a été créé pendant les 6 jours de la création de Dieu. N'est-ce pas merveilleux ça? Et donc Dieu a tout prévu. Il y a des choses qui ne se sont pas encore manifestées, mais Dieu a déjà créé même ces choses-là. Et ces choses-là n'attendent plus que toi. Parce que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose de particulier. On nous dit que c'est toute la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu avait déjà créé et qu'il a mis en toi, c'est à toi de venir le découvrir. On cherche le vaccin contre la COVID depuis là. Bon, mon frère, si tu as choisi de devenir banquier alors que Dieu voulait que tu sois un chercheur, un scientifique, eh bien, tu ne seras pas au bon endroit pour faire cette recherche-là et trouver le vaccin contre la COVID. Et quand tu vas arriver devant Dieu le Père, il va te dire que moi, je t'ai envoyé là-bas pour être scientifique, pour être médecin. Et toi, tu as préféré l'argent, tu as voulu être banquier. Est-ce que c'est ce que j'avais mis en toi? Amen. On doit souvent se poser cette question. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on nous parle de la volonté de Dieu, mais on doit tous se poser à chaque fois la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Dieu m'attend où exactement? On doit pouvoir écouter Dieu. Est-ce que ce sont les études là, pour ceux qui viennent d'avoir le bac, pour ceux qui sont étudiants, est-ce que ce sont ces études là que Dieu aimerait que tu fasses? Ou il avait prévu autre chose pour toi? Est-ce que tu as pris la vie de Dieu avant de commencer ça? Amen? D'accord, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. On va revenir à notre sujet. On parle donc de progresser dans la foi et dans la connaissance de Christ. Dernièrement, lors du séminaire avec le pasteur Célestin, nous avons commencé par ce passage qui se trouve en Luc 5:4, où le Seigneur demandait à Pierre d'avancer en eau profonde pour jeter le filet. Et nous avons été encouragés, nous aussi, à avancer en eau profonde. Dans la foi et dans la connaissance de Christ, nous devons progresser, aller en profondeur, nous enraciner en lui. Nous devons progresser, ne pas rester statique. Amen. En Jean 15, au verset 5, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, je suis, Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons nous enraciner en Jésus et porter du fruit. Porter du fruit. Et lorsqu'on parle de la foi, nous devons savoir que, en fait, la foi qu'on doit avoir n'est pas une foi naturelle. Il y a la foi naturelle. La dernière fois, nous avons partagé ensemble l'histoire du centenaire romain, n'est-ce pas? Lui, il avait une foi naturelle. Il sait comment ça fonctionne dans le monde physique. Et donc, il a mis ça, il a dit non. Si moi, je suis chef et j'ai aussi des supérieurs au-dessus de moi, je dis à l'un, fais ci, il fait. L'autre, fait ça. Je dis à mon serviteur, va là-bas, il respecte. Ça veut dire que toi, Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, parce que j'ai reconnu en toi quelque chose de particulier. Si tu dis un mot seulement, mon serviteur qui est là-bas sera guéri. Et nous savons ce qu'on nous dit dans les psaumes. On nous dit, il envoya sa parole et elle est guérie. Dieu n'a besoin que d'envoyer sa parole. Parce que dans sa parole, il y a tout. Dans sa parole, il y a même la foi. La foi que nous avons, elle ne vient pas de nous en fait. Nous ne sommes que des porteurs de cette foi. Comme les sarments qui portent du fruit. Nous ne faisons que porter la foi de Dieu que Dieu a envoyée, que Dieu a relâchée. Amen. Comment pouvons-nous arriver à progresser dans la foi et dans la connaissance de Christ? Que devons-nous faire? La première chose que nous dit ce texte de 2 Pierre 1, c'est faire tous ses efforts. Est-ce que tu as déjà fait tous tes efforts pour connaître Christ? Pour progresser, pour passer à un niveau différent. Est-ce que depuis que tu es en Christ, l'heure de prière que tu fais depuis là n'a pas changé? Est-ce que ce n'est pas encore passé à 2 heures de prière? Tu es toujours à 1 heure. On te voit mettre top et fin dans la chaîne de prière, c'est très bien. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu peux aller à plus que ça? Il y en a qui arrivent à faire une veillée de prière. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a déjà fait un témoignage comme ça. Il fait une veillée de prière tout seul chez lui. Est-ce que tu as déjà essayé ça? Je me rappelle toujours de la période où j'avais entendu des personnes dire que non, moi, quand je suis devenu chrétien, quand je priais, je dormais même à même le sol, je lisais ma Bible à genoux. Est-ce que tu as déjà lu la Bible à genoux? C'est hier, en allant au foot, que je me suis rendu compte que mes genoux étaient un peu marqués.
à cause du temps certainement que je passe à genoux. Ça laisse des marques. Et avant, quand je passais le temps prosterné face contre le sol, voilà pourquoi les musulmans ont souvent voilà, quelque chose là. C'est à force de poser leur tête sur l'eau. Et moi, j'avais déjà ce petit truc-là aussi. Combien de temps peux-tu passer dans la prière? Une heure ne suffit plus. Pour ce que Dieu a mis en toi, pour le niveau que tu dois atteindre, une heure de prière ne peut plus suffire. Passe à plus que ça. Lire un chapitre de la Bible par jour ne suffit plus. Lire, je ne sais pas, 10 livres de la Bible par an ne suffit plus. Il faut que tu passes à un autre niveau. Il faut que tu passes à un autre niveau. On a dit tout à l'heure que c'est toute la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait que quand il a appris, quand il faisait des retraites tout seul en forêt, quand il priait, quand ses mains chauffaient, il imposait même les mains aux arbres. Et un arbre qui est en train de mourir retrouvait la vie. Mon frère, tu es capable de faire ça parce que la vie de Christ est en toi. Christ est vivant en toi. Vous voyez jusqu'où les gens partent? On lui a dit que c'est toute la création. Donc même les plantes. Ça veut dire qu'une plante morte, tu peux imposer les mains à la plante et la plante va revivre. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois véritablement à cela? Mon frère, c'est vraiment pas des chimères, les amis. Il faut croire. Il faut croire et après il faut oser. Il faut oser. Donc faisons tous nos efforts. Faisons tous nos efforts pour arriver à faire correspondre l'identité de Christ, la personne que nous sommes devenus en Jésus-Christ, aux réalités physiques, les réalités externes. Ce n'est pas tout que d'être devenu chrétien. Il y a encore autre chose à comprendre, autre chose à connaître. Il n'y a plus de place dans la vie chrétienne pour les spécialistes du prêt-à-porter, les PME, les prêts-à-cuire. PME, c'est partisans du moindre effort. Ceux qui veulent du tout cuit, ceux qui sont déjà prêts. Non, il faut payer le prix. Ça, c'est une des choses que tu entends quand tu deviens chrétien. Tout le monde te dit, il faut payer le prix. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas. Frère, voilà la situation que je vis en ce moment. Il faut chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Tu ne sais pas. J'ai même écouté un jour, non, il faut te laisser guider par le vent. Oh, pasteur, là, je vais te poser un problème, tu me dis ça. Bon, je ne suis pas plus avancé que ça. Mais oui, il faut payer le prix, il faut chercher, il faut se battre. Ne restons pas statiques, il faut faire quelque chose. Il faut, pour cette situation que tu vis en ce moment, lève-toi, fais quelque chose. Ne reste pas. Jésus lui-même a dit, tout est accompli. Ce n'est pas en restant, même si tu pries. On nous apprend déjà depuis un moment qu'après avoir prié, il faut passer à l'action. Tu es obligé de passer à l'action. Tu as prié, c'est très bien. Tout commence par la prière. Mais ensuite, il faut passer à l'action. Tu pries pour le travail, mais tu n'as jamais déposé ton CV ou un dossier dans une entreprise, mon frère. Là aussi, c'est trop fort. Hein? Donc, ce sont les anges qui doivent venir dans ta maison, faire ton CV, aller déposer en entreprise. Et puis, toi, tu es toujours là, prosterné, face contre terre. Tu attends, on vient te dire après. L'ange vient te faire signe pour dire que va à Sobraga, tu seras daf là-bas. C'est trop magnifique, hein? Si ça pouvait fonctionner comme ça. Ça allait être trop magnifique. Non, il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts. Je me suis rendu compte que même le tout à coup de Dieu dont on parle dans acte 2, là, tout à coup, et on aime prier pour ça, on aime bien le tout à coup. Un pasteur qui aime parler de badaboum. Mais ces gens-là ont passé 40 jours d'abord avec le Seigneur, en train d'être enseignés. Et ensuite, ils ont attendu 10 jours. Et ce n'était pas, ils ont attendu sans aller s'asseoir, non, ils priaient, ils se retrouvaient tous les jours pour prier à la chambre haute. Ils ont fait un effort. Le temps de la paresse et de la nonchalance est terminé. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Le temps de la paresse et de la nonchalance est terminé. Maintenant, je me lève. Je prends ma vie en main. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Place à l'action. Retroussons-nous les manches. N'hésitons pas.
comprenons que apprendre et progresser relève de notre responsabilité. Jésus-Christ a déjà tout fait. Maintenant, le reste là, c'est moi. Apprendre et progresser, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. Le mot qui est utilisé en grec pour dire effort est spoudé. Spoudé veut dire ou faire ressortir l'idée de hâte, d'empressement, de diligence, mais aussi le sérieux dans l'accomplissement d'une chose et finalement la promotion. Car celui qui fait tous ses efforts en montrant du zèle et du sérieux réussira certainement. Et parfois, on a eu déjà des exemples comme ça. On a travaillé pour avoir le bac et on a réussi au bac. Qu'est-ce qui peut maintenant nous arrêter? C'est déjà un indicateur que si je travaille, je vais réussir. C'est un très bon indicateur même. Si j'ai pu faire cette chose-là en faisant ceci, pour l'autre épreuve que je traverse là, si je fais comme ça, ça va passer. Le Seigneur a dit à Josué, garde ma parole, fais ceci, mets-la en application. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Mettons en application la parole de Dieu. Alors nous connaîtrons le succès, nous réussirons. Dans ce passage, pour moi, l'une des plus grandes récompenses en Christ, c'est devenir participant de la nature divine. Devenir participant de la nature divine. On nous dit que nous sommes programmés, je vais dire ça comme ça, pour devenir identiques à Christ. En 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous devons prendre conscience de cela et aller plus loin, devenir participants de la nature divine. Comme je disais tout à l'heure, on doit faire des efforts, mais ce n'est pas la force. Il faut qu'on prenne conscience aussi que... Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment dire ça. Moi, je leur dis parfois que quand quelqu'un me dit ça, je regarde bien la personne pour voir si elle vit véritablement ça. Il y a des gens qui disent beaucoup, tout est grâce. Oui, en effet, c'est vrai, tout est grâce. Mais quand tu dis tout est grâce là, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Est-ce que tu vis véritablement la grâce de Dieu? Parce qu'on sait que la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Par nos efforts, on ne peut pas arriver à faire certaines choses. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous propulse à des niveaux où, en temps normal, nous ne devions pas être. La grâce de Dieu. Et nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, même en faisant les efforts pour dire que moi, je veux jeûner chaque semaine, 3 jours à sec, parce que je veux que ma vie change, tiens compte de la grâce de Dieu aussi. Tiens toujours compte de la grâce de Dieu. J'aimerais bien qu'on m'appelle un jour papa 100 jours parce que j'arrive à jeûner 100 jours à sec, mais bon, je dois aussi tenir compte de la grâce de Dieu. Amen. En Romains 7 au verset 6, c'est le passage que le Seigneur m'a donné un jour pour m'expliquer que tout est grâce. Romains 7, verset 6, « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Dans une autre version, on nous dit on sert sous un régime nouveau. Et là, on nous explique que dans ce régime nouveau-là, ce n'est plus les choses de la loi. Il faut maintenant s'attendre à la grâce. On ne fait plus les choses pour impressionner Dieu. On n'a pas besoin de faire. Jésus a tout accompli. C'était le seul qui pouvait faire ce qu'il a fait là. Le seul, personne d'autre. On a demandé dans le ciel, qui peut? Il a été le seul à lever le doigt pour dire, moi j'irai. Et même lorsque ça a été difficile, depuis Gethsémané jusqu'à la croix du calvaire, il a dit, je ne vais pas abandonner ça.
il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que j'aille jusqu'au bout. À Gethsémané, c'est sa transpiration, sa sueur qui s'est changée en grumeaux de sang. Et c'est possible. Hein? Lorsque tu es tellement sous pression, tu es tellement stressé, ta sueur peut se transformer en sang. Et vous imaginez bien que lui qui était pur, sans péché, devait porter le péché du monde. C'était trop compliqué pour lui. Sa transpiration est devenue le sang. Donc, la grâce de Dieu, c'est de servir Dieu maintenant en le connaissant lui, en ayant une relation particulière avec lui, en le faisant par amour. On ne doit plus nous forcer à faire certaines choses. On doit reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. On n'est plus obligé de nous forcer. Balaye l'église, lis ta Bible, prie, je ne sais pas quoi faire, ce que tu dois faire encore. Les anciens, le pasteur n'ont plus besoin d'être derrière toi, mon frère. Prends conscience de ce que Jésus a fait pour toi. Prends conscience de la grâce qui t'est accordée déjà. Donc, en faisant nos efforts, nous ne devons pas éluder la grâce de Dieu. Faire des efforts, c'est très important. Le Seigneur nous rappelle qu'il ne nous a pas donné un esprit comment ? Voilà. Ni un esprit de paresse. Et on voit comment le Saint-Esprit a agi dans toute la création, comment tous les exploits qu'il a fait. Donc le Saint-Esprit en toi n'est pas là pour dormir. Il veut travailler, il veut faire des grandes choses, réaliser des grandes choses. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est toi qui va porter les lauriers de ça, de tous ces accomplissements. Pourtant, tu sais que c'est par la grâce que j'ai réussi à faire ça. Hier au foot, j'ai réussi à marquer 2 buts après peut-être, je ne sais pas, 1 mois de disette. Je parle comme les pros. Mais il y a des jours, je mets des buts et puis je me dis que... Mais depuis longtemps, je me disais que non, ça là, il y a quelqu'un qui m'a aidé. L'ancienne Rosila m'a demandé, quand j'ai dit non, moi je joue en attaque. Bon, ancien, quel est ton dernier but? J'ai dit que le ballon est venu comme ça. J'ai fait un contrôle, je me suis retrouvé, j'ai frappé du pied droit. Mais c'était une action magnifique, mes frères. Mais j'ai pris conscience que même pour mettre les buts au foot maintenant, je dois compter sur la grâce de Dieu. Quand je veux dire que là-dedans, je suis fort. J'ai fait comme ça 1 mois, je ne peux pas marquer. On me donne la dernière fois, il y a 2 semaines, en plus c'était en match. On me met titulaire avant-centre, face à face, face au gardien. Les choses que je sais faire, pourtant je frappe sur le gardien, j'ai dit waouh. Mais à l'école de foot, on nous disait déjà que quand tu es attaquant, tu ne cherches pas, c'est pas devant le gardien que tu dois réfléchir sur la surface de pied que tu vas utiliser. Dès que tu as fait ton action, si c'est l'intérieur que tu dois frapper, frappe de l'intérieur. Si c'est l'extérieur, ne réfléchis pas. Dès que tu réfléchis, intérieur, extérieur, tu perds. Soit on t'arrache le ballon, soit tu fais mal ton geste. Bon, Samy bouge la tête, c'est un footballeur. Moi, je suis passé par l'école de foot quand même. Donc, ces choses-là, que nous arrivons à réaliser, nous ne pouvons pas le faire sans la grâce de Dieu. Et dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Le deuxième élément dont nous devons prendre compte, que nous devons prendre en compte pour arriver à progresser dans la connaissance, dans la foi et dans la connaissance de Christ, c'est deuxièmement donc l'importance de la foi. L'importance de la foi, croire et se laisser guider par Dieu lui-même. Dans le merveilleux processus de transformation de notre cœur et donc de notre caractère dans lequel nous nous sommes tous engagés, la foi est un élément déterminant. Tout à l'heure, je disais encore que la foi, c'est le facteur X lorsque nous constatons bien que nous ne progressons pas tous au même rythme. Nous pouvons être arrivés dans l'église le même jour, être passés par les eaux du baptême le même jour, mais notre progression, notre croissance spirituelle n'est pas uniforme, elle n'est pas la même pour tous. Et même dans un groupe, c'est pareil. Dans une classe, c'est pareil. Tout le monde ne progresse pas. Dans une famille, pareil. Tout le monde ne progresse pas au même rythme, au même niveau. C'est une combinaison de ma soif de Dieu et de ma détermination à lui plaire, mélangé à sa grâce bienveillante qui produise du rythme dans ma marche chrétienne. Il faut ces éléments-là. Est-ce que tu es déterminé à voir ta vie changer? Est-ce que tu as soif de Dieu? Jusqu'à quel niveau tu as soif de Dieu? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour le Seigneur?
Avis à tous ceux qui disent que je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas l'argent du taxi. Pourtant, ici, là, on dit, on a notre expression, non? C'est quoi? La Moïse. Ouais? La Moïse est toujours là? Tu ne tapes pas la Moïse, pourquoi? Si tu as tellement soif de Dieu, marche, mon frère. Le PK9, c'est pas loin. Mon frère, si tu aimes... Et c'est le pasteur James qui me raconte l'histoire de quelqu'un qui habite dans son quartier et son église est en Gondji. Un monsieur qui doit être menuisier ou quelque chose comme ça. Il m'a dit que mais le monsieur lui dit que parfois, quand il n'a pas l'argent du taxi, il marche d'Ovindo à Kurnam jusqu'à Ngondji. Aller-retour parfois. Ah, quelqu'un qui a soif de Dieu. Il ne voit pas la distance. Est-ce que tu es déterminé à tout faire? Donc, tout commence par la foi. Elle est bien plus qu'une simple croyance. C'est un moteur qui m'entraîne à poser des actions, des œuvres de la foi et à enclencher la croissance spirituelle. La foi se nourrit de la foi ou des actes de foi. La foi se nourrit de la foi ou des actes de foi. Il faut poser des actes de foi. Il faut oser. Le Seigneur a dit, il nous a mis au défi. Et c'est, on doit retenir que c'est un défi pour tout. Il a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, apportez les offrandes, vos dîmes, tout ce qu'il faut dans la maison du Seigneur. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de Dieu. Quelle belle promesse! Mais ce n'est pas seulement pour ça, pour toutes les autres choses, mettons le Seigneur à l'épreuve. Dis au Seigneur que moi je veux prendre 3 jours de jeûne parce que je veux mieux te connaître. Je veux avoir une révélation particulière de ta parole pour avancer avec toi. Mets le Seigneur ainsi à l'épreuve et tu verras si il ne t'accorde pas cette révélation. En Romains 10, au verset 17, on nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est le mot « parole ». En grec, dans la version originale de la Bible, donc, on utilise 2 mots pour la parole que nous connaissons tous, « logos » et « rhéma ». Et c'est quand même dernièrement que je me suis rendu compte qu'on avait peut-être, moi j'avais peut-être une mauvaise compréhension de ce que c'était le logos et le rhéma. Pour nous, le logos c'était la parole de Dieu qui est dans la Bible, écrite. Et le rhéma c'était la révélation qu'on a de Dieu. Mais c'était avant d'être allé en profondeur pour comprendre bien c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire en grec, logos et rhéma. Les étudiants de l'école biblique, vous n'avez pas encore fait le cours de grec, si? Vous savez conjuguer donc le verbe lego, dont on a tiré le logos. Vous savez pas, vous n'avez pas fait le cours de grec, Ludovic? Maman, vous n'avez pas fait le cours de grec, d'accord? Par contre, ils font le cours d'hébreu en ce moment, je pense. Nous, on n'a pas fait le cours d'hébreu, dommage. Mais vous voyez que tout ça, c'est très important pour bien comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Et il y a des outils déjà sur Internet qui existent. Moi, en général, j'ai peut-être 2 versions de la Bible maintenant, 3 versions de la Bible, lui, second 21 et Semeur. Mais pour les autres versions, je sais que je peux en trouver plus sur Internet. Donc, je vais sur Internet, sur EMCI Bible. Et là, on a un onglet où c'est marqué Strong, ou voilà, les mots Strong. Il y a les mots strong en grec et en hébreu. Et lorsque tu cliques, quand tu cliques sur ça, on te fait apparaître des chiffres. Et tu cliques sur le chiffre qui correspond au mot, on t'explique exactement quelle est la signification. Et logos, ce qu'on doit retenir, c'est le logos, ce sont les dires de Dieu. La parole émise de vive voix qui implique une conception, une idée. On est donc dans le domaine de la pensée. Qui implique une conception, une idée. Et on a coutume de dire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent. Le logos, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien plus que la parole dite et la parole écrite. Le logos, c'est la pensée de Dieu. C'est tout le conseil de Dieu. C'est Dieu lui-même, le logos. En Jean 1, au verset 1, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui s'est incarné dans la parole. Amen. Donc le logos, c'est la
pensée de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et en 2 Timothée 3,16, le passage commence en disant « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et « inspirée de Dieu » en grec, c'est « théopneustos », qui veut dire « respirer »,« souffler par Dieu ». Donc, c'est Dieu qui respire sa parole à l'intérieur de nous. Il souffle sur nous sa parole. On a dit que pour ouvrir l'intelligence aux disciples, aux apôtres, il avait soufflé sur eux l'esprit. Et c'est comme ça que ceux qui ont écrit la Bible ont reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu, on nous dit qu'elle est vivante. Elle est vivante. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Comme on le voit en Jean 6, 63. En Hébreux 4, 12 aussi, on nous dit que la parole est vivante. Et la parole de Dieu doit vivre en nous. Nous ne devons pas la comprendre avec notre intellect. Sinon, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Et donc, peut-être que si notre vie n'a toujours pas changé, si on ne manifeste pas encore pleinement Christ, c'est qu'on a, on s'est habitué à comprendre la parole de Dieu avec notre intelligence. Il faut aller au-delà de l'intelligence de l'homme. La parole doit vivre en nous, elle doit bouillonner en nous. Et nous transmettons la vie à d'autres personnes. Lorsque nous allons en évangélisation, c'est ce que nous faisons. Les gens qui sont touchés par notre message, c'est parce que nous avons transmis la vie qui est déjà en nous. La parole qui vit en nous, nous la leur transmettons. Et ça fait des effets sur leur cœur. Eux aussi veulent se repentir. Amen. La parole, je disais tout à l'heure concernant la foi, que beaucoup de personnes en ce moment prêchent sur la foi. On veut vraiment que la nouvelle génération passe à un autre niveau avec le Seigneur. Et peut-être, comme je disais, le facteur déterminant, le facteur X, c'est la foi. Il faut donc peut-être agir sur ce levier-là pour que les vies soient totalement transformées et que les personnes manifestent concrètement Christ, que Christ soit visible en nous. La chanson nous rappelait encore qu'on porte en nous Jésus-Christ, le maître du salut. Il vit en nous, il est vivant en nous. Et donc, il parle de, beaucoup prêche sur la loi de la foi. Et il cite certains, différents éléments de la foi qui sont dans cette loi de la foi. Amen. Mais c'est pour nous dire que de la même façon qu'il y a des lois qui régissent l'univers, le fonctionnement de l'univers entier, mais même dans la foi, il y a des lois, il y a des choses qu'il faut respecter. Amen. Il y a des choses aussi à respecter. Donc, le premier mot, c'est logos. Et l'autre mot, c'est rhéma. Rhéma, quand on disait que c'est la révélation de Dieu, ce n'est pas tout à fait faux. Mais nous devons comprendre exactement ce que c'est. Le rhéma, c'est ce qui a été émis par une voix humaine. La chose dite, la parole prononcée, ce que quelqu'un a dit. C'est ça le rhéma. Et dans le livre que je vous ai apporté aujourd'hui, le nouveau producteur de preuves, parce que nous devons produire des preuves de notre foi. Ça a été écrit par le défunt pasteur Maurice Cerullo, qui a toujours voulu qu'on l'appelle frère, ou bon, il y a certains qui l'appelaient papa Cerullo, mais il a toujours préféré qu'on l'appelle brother, frère. Dans ce livre, donc, il nous dit à la page 166, « Le rhéma est une parole de Dieu qui est une extension du logos, car le logos n'est pas la parole dite ou écrite. » Le rhéma est cette parole dite et cette parole écrite qui nous vient de la pensée même de Dieu. Le rhéma vient d'un verbe, réo, qui veut dire action. Cela veut dire parler, ça veut dire prononcer, ça veut dire verser ou dire une parole. Le rhéma vient de la force même du logos lui-même. Alors que le rhéma est la parole dite, le logos est l'expression de la pensée de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est dans la pensée et dans l'expression du logos que la parole qui vient à nous sous forme de rhéma est formée. Lorsque nous la recevons, nous ne recevons pas les mêmes paroles d'un homme, nous ne recevons pas les paroles d'un homme, mais nous recevons les pensées de Dieu. En fait, il y a un lien étroit entre le rhéma et la foi.
Il y a un lien étroit entre le réma et la foi, parce que dans la parole de Dieu, tout à l'heure on parlait du psaume, je ne sais plus, où on dit « il envoya sa parole et elle les guérit ». En fait, dans la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, la parole qui sort de la bouche de Dieu, il y a déjà la foi à l'intérieur. Il y a déjà la foi à l'intérieur pour accomplir ce pourquoi cette parole a été relâchée. C'est donc nous qui devons comprendre ça et prendre possession de la promesse de Dieu qui nous est faite. Lorsque la promesse vient, lorsque la parole personnelle vient directement de Dieu à vous, ne luttez pas pour avoir la foi. La foi est déjà là avec la promesse de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole dite. En fait, si le Seigneur te dit, tu vas marcher sur les eaux, ne te pose pas la question pour savoir que je vais faire comment. Ne fais pas comme le papa là qui a essayé d'aller quand même de lui-même marcher sur l'eau. Peut-être que ça veut dire autre chose. Amen. Dans la parole qui est prononcée, donc, il y a déjà la foi qu'il faut aussi pour accomplir sa parole. Parce que Dieu a dit, veille sur sa parole. Parce qu'elle doit s'accomplir. Il ne parle pas en vain. Ne soyons pas de ceux qui font mentir le Seigneur. Parce qu'une parole a été prononcée sur toi, et puis toi, tu es resté assis. Soit on se lève trop tôt, soit on ne se lève jamais, soit on se lève trop tard. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'on leur a dit, non, toi, tu as un appel, évangéliste, pasteur, il va déjà, il prend ses choses, il va commencer l'église. Mon frère, est-ce que c'est comme ça? Dernièrement, je ne sais pas si vous avez lu sur Facebook aussi, il paraît qu'il y a un élève qui a tapé un prophète, parce que le prophète avait dit que tu vas réussir au bac au deuxième, au second tour, et puis finalement il a échoué. Donc quand le prophète a encore voulu venir parler, imposer les mains, il a frappé le prophète. Bon, quand on t'a dit ça, quand la parole est sortie, est-ce que tu allais travailler? Tu allais te préparer? Ou bien comme Dieu a déjà parlé, c'est bon, je m'assois, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être que tu as un bic magique, il y a peut-être des gens qui vont faire dormir leur bic aussi à l'église, s'il y en a qui vont faire dormir le bic ou le stylo au cimetière. Certainement. Non, tu dois travailler, tu dois te préparer. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. La parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie parce que tu ne t'es pas levé, tu n'as pas fait ce qu'il faut pour que la parole s'accomplisse. Lève-toi. On a dit tu vas prospérer. D'accord, tu as commencé à faire du commerce. Ok. J'ai un neveu qui m'a dit il veut commencer à faire la pizzeria parce qu'il prend des cours de, je sais pas, de cuisine ou je ne sais pas quoi. D'accord, tu veux faire une pizzeria, c'est très bien, c'est une très bonne idée, mais va d'abord travailler dans une pizzeria pour voir comment ça fonctionne. Vois d'abord comment on gère une pizzeria. Apprends d'abord avant d'aller commencer, sinon tu vas te casser la tête. Après, tu vas venir frapper le pasteur ou le prophète pour dire que non, tu m'as menti. Je suis allé commencer la pizzeria, finalement je n'ai pas prospéré, j'ai fait faillite. Mon frère, on doit se former pour tout. On doit se former pour tout. On doit apprendre pour tout. Et c'est là que Dieu, parce que tu as appris, c'est là que Dieu vient faire quelque chose de remarquable. Il vient ajouter à ce que tu as déjà. En général, lorsqu'on parle de la foi, tout de suite on voit Hébreux 11. Et dans Hébreux 11, il y a une magnifique démonstration de la progression de la foi de génération en génération. J'entends souvent des jeunes critiquer nos vieux pères dans la foi, ceux qui sont là depuis avant nous, les pères du réveil, pour dire qu'ils ont failli, ils n'ont rien fait, ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Oh, l'autre, il a choisi ci, là. J'ai dit que les amis, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si nous pouvons, nous avons reçu l'évangile aujourd'hui, là, c'est parce que les papas, là, se sont levés. Et parfois, ils nous racontent des histoires pour nous dire ce qu'ils ont fait. Pour que l'évangile... Vous savez qu'à l'époque, l'ancien président avait décidé de fermer toutes les églises, par exemple. Et ce sont les papas là qui se sont levés. Non seulement dans le jeûne et la prière, mais aussi en posant des actions. Certains d'entre eux ont fait la prison. Hein. Le pasteur Gaspard a fait la prison à cause de sa foi, ici dans ce pays. Et s'il n'avait pas fait ça, s'il ne s'était pas opposé aux autorités, on allait pouvoir prêcher l'évangile ici. On était parti pour être certainement un pays musulman ou je ne sais pas. Donc, ces personnes ont amené la foi jusqu'à un certain niveau. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le relais. On continue leur œuvre, on continue leur travail.
pour amener maintenant la foi à des sommets. On a déjà prophétisé, plusieurs prophètes sont venus ici. Vous savez qu'un prophète, ses cendres sont venues ici au Gabon. Le prophète Fletcher, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Le prophète Fletcher était venu ici, il avait prophétisé sur le Gabon pour dire que le Gabon allait être un centre de réveil en Afrique et même dans le monde. Mais quand il est mort aux États-Unis, il a demandé à sa femme d'emmener les... On l'a incinéré, les cendres là sont ici, à Bethany. Moi, j'étais là quand on a fait toutes ces choses. J'étais étonné. Quand j'ai vu la femme du monsieur, j'ai dit, mais attends. Je me suis dit que, mais attends, si quelqu'un comme ça croit en nous, à la destinée de notre pays, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on dort. On a le Saint-Esprit, on dort. On ne se bat pas pour que le Gabon soit effectivement un centre de réveil. Ce monsieur a cru en nous. Il a dit à sa femme, je meurs là, tu m'enterres au Gabon, tu ramènes mes restes au Gabon. Waouh! Donc, en hébreu, nos prédécesseurs, nos pères dans la foi ont amené l'œuvre à ce niveau. Nous, on doit prendre le relais. On doit aller plus loin. On nous a déjà dit que c'est l'Afrique qui doit désormais aller évangéliser l'Europe et les autres continents. On doit prendre le relais maintenant à ce niveau. Mon frère, si tu voulais encore dormir, je suis là pour t'annoncer que le sommeil est terminé. Le sommeil est terminé. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Ne faisons pas Dieu menteur. Levons-nous. Et si toi, tu refuses de le faire, Ardoché avait dit à sa nièce que si toi, tu ne te lèves pas pour Israël aujourd'hui, tu ne sais pas, peut-être que le salut viendra de quelqu'un d'autre. En tout cas, si toi, tu refuses de le faire, le Seigneur va susciter une autre personne. Élie est venu dire à Dieu, moi, je suis fatigué. On me torture, on me persécute, on me fait ci. Elle a dit, ok, calme-toi. Et ce n'est plus l'époque où le Seigneur, je suis en train de vous annoncer ça, ce n'est plus l'époque où le Seigneur disait, je me suis gardé un faible reste. Le faible reste là, c'est plus assez pour lui. Il veut sauver l'humanité entière. C'est l'humanité entière qu'il veut sauver. Élie a dit, je suis fatigué. On a dit, ok, va prendre Élisée. C'est tout. Donc, si toi, tu ne te lèves pas, le Seigneur va toucher le cœur d'une autre personne qui va prendre à cœur son œuvre et qui va vouloir aller jusqu'au bout. Donc, Hébreux 11, à partir du verset 4, on nous dit, c'est par la foi et c'est tous les passages comme ça, c'est par la foi qu'Abel a fait ci, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, c'est par la foi, tous, c'est par la foi qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait là. Amen. Hébreux 12, du verset 1 au verset 2, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est finalement assis à la droite du trône de Dieu. Il y a une récompense. Il y a une récompense, une grande récompense au ciel. Si ça ne paye pas dans l'ordre, mais au ciel, ça paye toujours dans l'ordre. Amen. Et dans cette version, on parle du consommateur de la foi. Aujourd'hui, consommateur, ça veut dire autre chose. Mais dans d'autres versions, si tu prends d'autres versions, dans la version semeur, par exemple, on dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » Second 21 dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En fait, consommateur, là, c'est ça. C'est celui qui achève, qui perfectionne, qui a élevé la foi à la perfection dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur exemple de foi. Qui est le meilleur exemple de foi? C'est Jésus. On nous dit ici qu'il a méprisé. Il a méprisé l'ignominie. C'est lui notre meilleur exemple de foi. Est-ce que tu n'as pas envie d'être aussi un exemple de foi? Quelqu'un qu'on va citer aussi en disant, il y a eu des personnes dans ce pays. Pourquoi c'est seulement les autres? Je vais te dire ça. Fais ta part aussi. Fais ta part, mon frère. Amen. Nous ne sommes pas en concurrence. Comme on aime bien dire, chacun son couloir. Quand on voit les courses là, la course de vitesse ou la course de fond, c'est chacun son couloir. Tu te débrouilles là-bas, il y a les haies, tu sautes, tu tombes, tu te relèves.
Mais chacun reste dans son couloir. Et courons, ne nous arrêtons pas. Et on sait comment ça se passe. Soit tu avances, en tout cas dans la vie chrétienne, et en général, on ne peut pas rester statique. Soit tu avances, soit tu régresses. On ne peut pas rester sur place. On ne peut pas faire du surplace. 10 ans en Christ, et tu es toujours dans les mêmes petits péchés, dans les mêmes petits compromis. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Avance. Reste dans le processus. Comme ça, comme encourage. Je prends des cours dans une université en ligne en ce moment, des cours de leadership. Et eux, ils aiment bien parler du processus. Non, mon frère, il faut rester dans le processus. Est-ce que tu es déjà rentré dans le processus? Ils aiment bien parler du processus. Oui, nous sommes dans un processus de transformation. Donc, il faut rester dans le processus. Fais tout pour ne pas déborder. Même quand tu as débordé, reviens dans le processus. N'accepte pas que le jour où Jésus arrive, ton cœur soit le même. D'accord, il va peut-être te prendre, mais bon. L'apôtre Paul dit qu'il y a certains d'entre nous qui vont être sauvés comme au travers du feu. Tu vas sentir la fumée en arrivant au ciel. Bon. Reste dans le processus. Et si tu n'es pas rentré encore dans le processus, rentre dans le processus. Amen. Dans ce passage que nous avons pris, le texte de base de 2 Pierre, nous sommes encouragés à ne pas laisser toute seule notre foi, à laisser notre foi orpheline. Et on nous demande donc d'ajouter à notre foi, pour la rendre consistante, premièrement, la vertu. La vertu ou la qualité morale. C'est-à-dire la bonté morale, l'excellence morale, la pureté. Voilà ce que tu dois ajouter à ta foi aussi. Et on nous dit encore d'ajouter la science. La science, c'est la connaissance. La connaissance générale, ça sert toujours, mais surtout la plus profonde et parfaite de Christ. Tu dois avoir une connaissance profonde de Jésus-Christ. Amen. La science, c'est aussi la sagesse morale, montrée dans une vie droite, une vie qui honore le Seigneur, une vie qui connaît ce qui est légal ou illégal pour un enfant de Dieu. On ne rentre pas dans tout. On ne rentre pas dans tout. Amen. Et cette loi de l'association, il faut vraiment qu'on la prenne. Parfois, il y a des chrétiens qui se sont cassés la tête en voulant faire une affaire avec les non-chrétiens. On me propose beaucoup de choses comme ça, mais je demande d'abord au Seigneur. Même avec un chrétien, il faut toujours demander. Et encore plus pour l'alliance du mariage, il faut toujours demander au Seigneur. Est-ce que c'est la bonne personne? Si tu as le feu vert, tu peux t'engager. Amen. Donc, on doit ajouter aussi la science. Et on doit ajouter à la fois la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. C'est la vertu de ceux qui sont passés maîtres de leurs désirs et de leurs passions, qui sont parvenus à se mettre au-dessus des appétits de leurs 5 sens. Ce que ma main voit, ce n'est pas ce que je prends. Je dois réfléchir. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Nous devons ajouter aussi la patience ou la persévérance, une constante endurance, même dans les épreuves les plus difficiles, les épreuves humainement insupportables. On doit ajouter la patience, la persévérance. La patience ou cette endurance, c'est celle qui nous aide à ne jamais dévier de notre but, à savoir gagner Christ et tout ce qui va avec. Parce qu'en Christ, là, on nous a déjà dit que si tu veux me suivre, prépare-toi à porter ta croix, à renoncer à tout, même à toi-même, et à porter ta croix chaque jour. Donc, tu dois être prêt à tout pour suivre Christ. Il y aura un lot de souffrance, de peine. Il faut que tu te prépares pour ça. Nous devons rester loyal à la foi, loyal à Christ, quels que soient les aléas de la vie. C'est ça la persévérance, la patience. Nous devons ajouter aussi la piété, qui nous fait montrer en même temps du respect et de la révérence à notre bon Seigneur Jésus et à éprouver de la fierté pour tous les exploits qu'il a accomplis sous nos yeux, de sa naissance jusqu'à son ascension au ciel, mais aussi pour tous les exploits qu'il continue d'accomplir sous nos yeux, comme ma propre conversion. Ma conversion, c'est un exploit de Dieu. Je ne dois pas prendre les choses pour acquis. Ça n'a pas été facile. La preuve, je suis arrivé à Christ, j'avais 40 ans déjà.
Il m'a fallu quand même 40 années pour comprendre que le véritable chemin, c'est là, c'est Christ. Donc on ne doit pas prendre ces choses pour acquis. Et un jour, je rentrais d'un séminaire ici et j'étais en train de remercier Dieu pour les moments dans la voiture. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, mais Rick, tu ne m'as jamais dit que tu es fier de moi. J'ai commencé à réfléchir dans ma tête pour dire que, oh, est-ce qu'on peut dire au Seigneur, je suis fier de toi? En général, on parle autrement, on aime dire quoi? Je suis fier d'appartenir à Jésus, des choses comme ça. Mais dire à Jésus, je suis fier de toi. Mais nous devons dire à Jésus que nous sommes fiers de lui. Est-ce qu'on a vu tous les exploits qu'il a accomplis? En général, quand quelqu'un, pour ceux qui ont eu le bac, quand ton enfant a eu le bac, tu dis, je suis fier de toi. Mais Jésus a fait des exploits plus que le bac. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire, je suis fier de toi, Seigneur Jésus? Est-ce que tu ne peux pas le dire maintenant, je suis fier de toi, Seigneur Jésus? Je suis fier de toi, tu es incomparable. Personne d'autre que toi ne peut réaliser ce que tu fais. Tu fais des exploits. Ma conversion, c'est un exploit. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Nous devons aussi ajouter à notre foi l'amour fraternel. Ou pour rester dans la traduction grecque, l'amitié ou l'affection fraternelle. Philadelphia, le nom de notre église. Philadelphia, ce lien entre nous qui va bien au-delà de la parenté ou de la filiation naturelle, biologique. Et enfin, nous devons ajouter à notre foi la charité. La charité, c'est l'amour. Et c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour parfait, l'amour surnaturel. En temps normal, parfois je dis ça à ma fille Priscilla que si je n'avais pas donné ma vie au Seigneur Jésus, j'allais être un piètre mari. J'allais être un mauvais mari. Peut-être pas le genre de mari qui abandonne sa famille. Non, ça je disais toujours, je ne vais jamais faire ça. Mais j'allais certainement avoir des escapades de temps en temps, comme certains. Mais j'allais être un mauvais mari. On ne peut pas aimer avec l'amour naturel des hommes. On ne peut le faire qu'avec l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui déverse cet amour-là dans nos cœurs. C'est un amour surnaturel. Voilà les choses que nous devons ajouter à notre foi. Amen. Dans le commentaire de William MacDonald, j'ai trouvé cette réécriture de ce passage de Pierre 1, 5 à 7, donc où on nous demande d'ajouter des choses à la foi. Et William MacDonald dit que c'est le père de son ami, Tom Olson, qui leur disait ça quand ils étaient enfants. Il leur parlait de ce passage en le réécrivant ainsi. « Ajoutez à votre foi la vertu ou le courage de David. » David, c'était un homme courageux. Affronter le lion, affronter l'ours. Et après, aller affronter Goliath que tous les chefs de guerre avaient refusé. Il avait du courage, cet enfant. Donc, il ajoutait à votre foi la vertu ou le courage de David. Au courage de David, la connaissance de Salomon. La reine de Saba et de Séba est partie de chez elle pour venir. Elle a dit que ce qu'on m'avait dit là, ce que j'avais entendu, c'est faux comparé à ce que je vois là. On dit qu'elle lui a posé les plus grandes énigmes. Le papa a trouvé la réponse. Et on nous dit que personne n'a eu. Il a écrit pour tout, la biologie, les ceci, les plantes. Quel homme peut faire ça sans Dieu? Donc notre référence en matière de connaissance, c'est Salomon. Amen. À la connaissance de Salomon, la patience de Job. Waouh. Quel homme patient ce Job. Dans l'affliction, sa magnifique épouse, merveilleuse épouse qui lui dit « Réunis Dieu et meurs ». Il dit que « Femme, tu parles comme une insensée ». Quelle patience chez ce monsieur. À la patience de Job, la piété de Daniel. Un homme qui a osé faire face à un roi pour dire que ce que tu dis là, mon frère, c'est petit. Je ne peux pas ne pas adorer mon Dieu. Moi, j'ai des heures pour le faire. Quand c'est l'heure de la prière, je dois respecter cette heure. Je dois respecter l'heure de la prière. On est venu le prendre dans la fosse au lion. Il a dit ça, c'est petit. Le lion n'a pas pu ouvrir sa gueule. À la piété de Daniel, nous devons ajouter
l'amitié fraternelle de Jonathan. Quelle belle histoire entre Jonathan et David. Quelle merveilleuse histoire. On nous dit que ce sont leurs âmes qui s'étaient liées. Waouh! Et quand c'est comme ça, quand l'autre a un problème, toi tu ressens ça au-dedans de toi. À l'amitié fraternelle de Jonathan, l'amour de Jean. Notre exemple d'amour, c'est Jean. Et c'est celui qui écrit le plus sur l'amour même. Maintenant, regardons comment tout cela se conclut. Verset 8 au verset 9, on nous dit, « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 8. La pratique des vertus chrétiennes, l'assiduité dans l'étude de la Bible et dans la prière ne nous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien au contraire, elles nous aideront à refuser le compromis que le monde nous propose et à servir Dieu clairement. Prendre position clairement pour Jésus-Christ. Ne pas être dans le compromis, dans l'à peu près. On n'a plus besoin de ces personnes-là. Les personnes superficielles qui ne veulent pas aller en profondeur. C'est fini ce temps. Je dois choisir mon camp. Soit je suis avec Jésus, soit je ne suis pas avec lui. Je ne peux pas danser, un coup je suis à gauche, un coup je suis à droite, non. Je dois clairement faire mon choix. Prendre position pour Jésus. Amen. Deuxièmement, le défaut de pratique des vertus chrétiennes nous rend comparables à un malvoyant, à une personne qui ne voit pas clairement le merveilleux travail, une personne qui ne voit pas l'ouvrage que Dieu a réalisé en elle. Moi, je suis fier de Jésus à cause de ça. Changer un homme comme moi, waouh! Le travail qu'il est en train de faire en moi, c'est merveilleux. Je suis fier de Jésus. Supporter quelqu'un comme moi qui a encore des pensées impures parfois, qui peut encore penser à certaines choses. J'affirme être sauvé, mais ma vie ne change toujours pas. C'est vrai, tu peux être sauvé. Mais ta vie est toujours la même. Et personne ne peut témoigner d'une quelconque évolution dans ton comportement. Ton cœur peine à faire des efforts pour Dieu et même pour ton propre bien. Parce que parfois, on te dit bien que voilà ce que tu dois faire, frère. Parfois, on dit aux frères que mais fumer la cigarette, par exemple, c'est comme si tu prenais le poison et puis tu le buvais. Parce que c'est la même chose. Tu es en train de fumer et puis ça te rend malade. On te dit bien, on te donne la composition de la cigarette, mais tu continues de fumer. Pour ton propre bien, tu ne veux pas faire ces efforts. On te dit, cette situation-là, ce n'est pas comme ça que tu dois faire ça. D'autres l'ont essayé. On t'amène même des personnes qui ont connu la même chose, la même épreuve, qui sont passées par la même chose que toi. Pour te dire que lui, il était aussi franc-maçon. Mais voilà ce qu'il a trouvé là-bas. Et puis toi, tu réfléchis et plus tard, on nous dit non, finalement, tu as accepté. Mais frère, qu'est-ce que tu n'as pas compris du témoignage qu'on t'a fait? Et il y a un homme de Dieu qui disait que mais on cherche les témoignages, mais la Bible, c'est ça. C'est un merveilleux témoignage de tout ce que tous les autres ont accompli avant nous. Ils ont dû faire des choix cornéliens à un certain moment, mais ils ont fait le bon choix, celui de suivre Jésus sans compromis, clairement. Retenons donc que c'est Dieu qui nous fait la grâce de mener une vie de sainteté. Ce n'est pas par nos propres efforts. Ce n'est pas par nos propres efforts. Je me rappelle toujours d'un jour, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je voulais tellement le connaître que j'étais à l'église de lundi à dimanche. Ma vie ne se résumait plus qu'à l'église. C'était devenu ma maison. Et donc un jour, je traversais là. Je n'avais pas de voiture à cette période. Je traversais le boulevard. Un collègue m'avait déposé. Et donc, quand je marchais, il y a un taxi qui fonçait sur moi. Et j'ai dû courir. Mais quand je suis arrivé là au milieu, au terre-plein, je dis, mais quel con. J'ai eu mal au cœur. J'ai fait tout ce temps-là en venant ici. J'avais mal au cœur. Je dis, mais je suis chrétien. Comment je peux encore sortir des choses comme ça de ma bouche? Et le Seigneur m'a dit, je suis le Dieu qui te sanctifie. Je suis le Dieu qui te sanctifie. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Compte sur ma grâce.
Et un passage que j'aime bien partager avec les frères se trouve en 1 Pierre 5:10. Et c'est un passage que j'ai, parce que je réfléchissais toujours sur ma vie, mais pourquoi ça ne part pas, ça ne change pas. Et dans la voiture, comme ça, j'ai pris ma Bible qui était à côté de moi, j'ai ouvert, je suis tombé directement sur 1 Pierre 5:10. Quand le Seigneur veut te parler, c'est fort, hein. Et ce passage nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, j'étais content. J'ai dit que mais je fais tout ça donc pour rien. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler en moi. Il va me perfectionner. À la fin, je serai inébranlable. Waouh! C'est magnifique, ça, c'est merveilleux. Donc, c'est Dieu qui nous fait la grâce de mener une vie de sainteté, car en nous-mêmes, nous ne pourrions trouver des ressources suffisantes pour le faire. Refusons de rester statiques. Ouvrons-nous au changement que le Saint-Esprit commande dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous parle à chaque moment. Il nous dit des choses, il nous propose de changer telle ou telle chose. Parce que Dieu ne peut pas violer notre volonté. Il nous a donné le libre arbitre. Et il respecte cela. Il chante, vous pouvez revenir, on va prier. Donc, ouvrons-nous au Saint-Esprit. Disons, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Viens faire, viens terminer ce que tu as commencé à faire en moi. Viens terminer ce beau travail que tu as commencé à faire en moi. 1 Timothée 4, 12 à 16. Nous allons prier en nous basant sur ce passage. 1 Timothée 4, 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce rappel que tu nous fais à tous. Oui, c'est possible que mon cœur soit transformé. Que l'on puisse trouver dans mon cœur ta douceur, ta candeur, ta compassion, ton amour. Et je veux te dire merci pour cela. Seigneur, ce matin encore, je décide de continuer de faire tous mes efforts en comptant sur ta grâce pour être changé. Je veux faire tous les efforts possibles. À chaque fois que tu me demanderas de faire quelque chose, je veux pouvoir t'obéir librement. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es celui qui mène notre foi à la perfection. Nous voulons te connaître d'une nouvelle façon pour t'adorer tel que tu le mérites. Toi qui as dit que ce que le Père recherche, ce que toi tu cherches, ce sont des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer parce que nous connaissons qui tu es. Nous avons eu la révélation de ta personne. Il y a des choses encore que nous n'arrivons pas à faire. Nous ne savons pas t'honorer comme tu le mérites. Nous manquons de révérence. Et nous voulons
ont changé aujourd'hui. Si un homme a connu Saint-Esprit dans sa vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Si un homme a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, c'est quoi l'adorer, parce que d'abord nous lui avons déjà donné tout notre cœur, nous lui avons offert notre cœur et nous savons, nous sommes décidés à tout lui donner aussi, tout lui donner, notre vie, tout ce que nous possédons, nous sommes prêts à le sacrifier pour Jésus. Alors si tu as prévu une offrande ce matin, prends-la, ne la froisse pas, prends-la, honore Dieu par ton offrande ce matin. Pas honte de ton offrande. C'est ton cœur que tu es en train d'offrir au Seigneur. Si tu as une enveloppe même, tu peux la mettre dans une enveloppe. Et donne avec amour et reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Je ne veux pas t'honorer, mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne tout ce qu'il y a de plus beau. Tout ce qu'il y a de plus beau.
nous sentons tellement bien et nous voulons tout te donner, t'offrir nos cœurs, plus seulement nos corps comme un sacrifice saint agréable, mais nous offrir tout entier à toi. Reçois nos offrandes, reçois-les favorablement, Seigneur, et nous prions qu'elles trouvent une place dans l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce message qui nous fait du bien. Et peut-être que tu es là ce matin et tu n'as pas encore fait ce pas de foi pour revenir dans les bras du Seigneur. Tu as l'occasion de le faire maintenant, de remettre ta vie entre les mains de Dieu, pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Si tu es là, tu peux lever ta main et nous allons prier ensemble. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Veux-tu abandonner ta vie à ce merveilleux Seigneur? Merci Seigneur. Tu peux t'approcher, sœur. N'hésite pas. Prends cette décision. Dieu n'outrepasse pas notre volonté. Il ne viole pas notre volonté. Il veut que nous puissions l'accepter librement. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma sœur. Que tu avais prévu pour elle. Je te loue, je te bénis pour sa vie et pour la femme influente qu'elle va devenir. La femme qui n'aura pas peur, qui ne saura pas se taire lorsqu'il faudra revendiquer, dénoncer, lorsqu'il faudra parler de ta part, lorsqu'il faudra annoncer ta pensée, Seigneur. Pour que tu la fortifies dans toutes les épreuves qu'elle va rencontrer, quels que soient les obstacles, qu'elle ait toujours la conviction, l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus. Merci pour ton amour, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux prier après moi, Seigneur Jésus?
bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse son serviteur. J'aime ce genre d'enseignement, ce genre de prédication qui touche nos cœurs et qui doivent apporter le changement à nos vies. J'aimerais rendre un petit témoignage, non pas pour me mettre en avant, mais pour corroborer la prédication du jour, dire que le Seigneur veut vraiment agir en nous. Souvent, quand nous donnons notre vie au Seigneur, alors que nous continuons à nous entourer des personnes qui nous aiment bien, qui nous apprécient, on n'a pas l'impression que des changements se sont opérés en nous. Parce que quand on pose la question, ou bien même quand on dit, le Seigneur m'a changé, ils vont dire, mais il t'a changé en quoi? Tu es pareil, dans le sens où ils te connaissent et s'ils pensaient que tu étais une bonne personne, ils vont continuer de dire que voilà, ils ne voient pas le mal que tu fais, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas une bonne personne, mais eux, comme ils t'aiment, ils vont dire non, voilà, et on ne progresse pas quand c'est comme ça. Et il y a quelques temps, et le baromètre aussi, ça peut être nos collègues de travail, parce que chacun des collègues ou bien a se fait une idée de nous. Et il y a un collègue qui est venu me trouver, qui est aussi chef dans une autre direction, et il vient, il me dit, j'aimerais que tu me donnes des conseils parce que je suis troublé en ce moment, je me sens un peu embêté par mon chef direct, et au point où j'ai eu des pensées même de le frapper, que si je le rencontre même en boulot, je lui casse la gueule et tout, et tu sais que j'ai fait du karaté, non? Je peux bien le taper et tout, mais... Et j'ai dit, donc tu viens me voir pour ça? Oui, vraiment, il faut que tu me parles, que tu me donnes des conseils, parce que il avait fait des stages dans ma direction avant d'être affecté dans cette autre direction-là. Et il dit, pendant tout son temps de stage, il a trouvé que j'étais vraiment une femme posée, et j'avais une phrase toujours dans ma bouche, quand une situation se présentait, quand il y avait des petits conflits entre collègues, quand on m'appelait pour parler, je disais, il faut cultiver l'esprit paisible. L'esprit paisible. Une femme doit être une femme douce et paisible. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et il voyait souvent comment je conseillais dans ce sens-là. Que moi, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est ça. Je ne veux pas écouter qui a raison, qui n'a pas raison. Non, c'est est-ce que nous sommes doux et paisibles comme nous enseigne la Bible. Parce que quand nous sommes des personnes douces et paisibles, forcément tout se passe bien. On ne prend pas tout sur nous. On n'est pas aigri, on n'est pas méchant, on n'est pas... Et il s'est souvenu de ça, ça fait peut-être 3 ans. Et il vient me voir, il dit, non, tu avais dit qu'il faut cultiver un esprit doux et paisible. Comment on fait pour cultiver cet esprit doux et paisible? Parce que j'ai vraiment des mauvais penchants en ce moment. Et j'ai repris le passage de 1 Pierre 3, 4 qui en parle. Et je l'ai exhorté et j'ai prié pour lui dire que c'est ce que la Bible nous commande. C'est la Bible qui nous aide à cultiver cet esprit. De nous-mêmes, on ne peut pas. Il dit oui, effectivement, parce que avant que je ne donne ma vie à fond, dans la maison, donc dans la direction où je travaille, je passais plutôt pour une femme qui n'hésitait pas à dire les choses telles qu'elle les pensait, et qui était plutôt belliqueuse. Genre, si je vois qu'il y a une injustice quelque part, je ne me gêne pas. Je n'avais peur ni du DG, ni de qui. Et je me souviens que j'avais fait convoquer un directeur adjoint devant le DG parce qu'il disait n'importe quoi, il faisait n'importe quoi. Et au sortir de là, il me dit, ah, oh, madame, vous avez amené mon nom chez le DG. Et j'ai dit, ça c'est petit, la prochaine fois c'est chez le ministre que je vais amener. Pour dire, et le voir que le Seigneur a quand même, j'ai quand même progressé dans le sens où cet esprit-là, je ne veux plus de cet esprit. Je veux être une femme douce et paisible. Qu'on vient voir là, qu'on vient consulter vraiment pour des bons conseils, pas pour des conseils ou parce qu'on venait me voir pour que je gaspille en fait. Voilà, on va dire, ouais, si on va voir Madame Babin, c'est sûr, elle va gaspiller. Et il venait moi et je gaspillais. Je dis non, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ça. Je suis une nouvelle créature, je suis une femme douce et paisible. Amen. Donc vraiment que Dieu soit loué. Nous allons nous lever et nous allons... on va d'abord passer aux annonces. Excusez-moi. Juste le temps de décliner quelques annonces. Nous avons ici en préparation un grand événement. Nos jeunes, hommes et femmes,
vont donc se réunir ici pendant 3 samedis pour affronter d'autres églises, et ce sera les awards de la Bible. Donc ils vont s'affronter sur différentes thématiques. Il y aura des chants, il y aura des quiz, il y aura des dictées, il y aura beaucoup de choses, et toutes ces choses vont tourner autour de la Bible, c'est pour voir à quel niveau il se situe. Est-ce que les jeunes de Sotega sont là? Est-ce que vous vous préparez? Parce que là, c'est la 3e édition. Les 2 premières, c'était comme un entraînement. Là, vous aurez devant vous des personnes coriaces. Ceux-là. Oui, on espère. Parce qu'on va passer des bons moments ici. Et gare à vous. Gare à vous si vous ne ramenez pas le trophée comme les 2 années précédentes. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé comme l'ancien Ricardi. Vous avez dormi sur vos lauriers. Et ce n'est pas bien. Nous devons progresser. Nous, on veut ressentir parce que les épreuves cette année vont aussi être coriaces. La dictée va être coriace. Gare à vous si vous ramenez 10 fautes. Donc, préparez-vous. Ce sera le 16, le 23 et le 30 juillet prochain. Ils vont se retrouver ici, ils vont s'affronter dans une bonne ambiance. Hein, ce ne sont pas des compétitions à la manière du monde. C'est vraiment des retrouvailles entre enfants de Dieu, il faut le dire ainsi. Et donc, les frères qui viendront, ce sont des frères. Ce sont pas, ne voyez pas en eux des ennemis ou des adversaires. Ce sont nos frères. On va juste un peu essayer de voir qui médite mieux, qui est mieux inspiré, qui développe mieux l'esprit supérieur qui est en David, tout simplement. Donc, préparez-vous dans la prière, préparez-vous, lisez vos Bibles, retenez tout ce que vous, notez tout ce que vous voyez dans la Bible, les moindres détails, parce que les awards portent sur les détails. Ça porte sur les détails. Donc, préparez-vous. Et l'autre événement majeur, c'est aussi le camp de la jeunesse. Donc, nos jeunes vont encore être en l'honneur à cette occasion. Et le camp implique les chrétiens et les non-chrétiens. Les chrétiens, attention, parce que souvent, vous vous laissez influencer par les non-chrétiens que vous êtes censé évangéliser. Et là, les mauvais comportements se manifestent au cours des camps de la jeunesse. Ce n'est pas l'occasion de manifester le mauvais comportement. Au contraire, c'est l'occasion de mettre en pratique tous les enseignements qu'on reçoit ici. Donc, préparez-vous pour ce camp. On n'a pas encore le lieu. Le lieu n'est pas indiqué, mais dans les prochains jours, ça va se faire. Et contribuez à hauteur de 20 000 chacun. Donc, mettez déjà de côté vos 20 000 à raison de 5 000 par semaine. Ça fera 20 000 pour ne pas être à court le jour J. Remettez cet argent donc à vos trésoriers et organisez-vous pour ce camp de la jeunesse. Préparez-vous spirituellement parce que c'est aussi parfois l'occasion d'être attaqué. À un camp, je me souviens, il y a eu vraiment des attaques. Donc, n'allez pas comme ça, c'est pas Disneyland, là. Donc, préparez-vous spirituellement. Et n'ayez pas peur de l'ennemi s'il se manifeste. Vous le maîtrisez comme vous savez le faire. Amen. Et donc, mobilisez-vous. Le réseau international mondial d'intercession, donc le RIM, dont l'Église fait partie, organise une convention. Ce sera à l'église Gloire Divine à Ngondje à partir du 18 juillet prochain. Et l'église doit se mobiliser parce que nous sommes membres de cette organisation. Il y aura des temps de jeûne et d'intercession, des temps prophétiques et tout ça. Donc, préparons-nous à participer massivement à cet événement. Les détails seront communiqués ultérieurement. À partir de la semaine prochaine, nous aurons plus amples détails. Nous aurons bientôt aussi, normalement nous sommes au mois de juillet, nous sommes censés avoir notre AG demi-parcours. C'est l'occasion pour les responsables du département et des annexes de préparer les rapports d'activité du premier semestre 2022. Et la date de l'AG sera fixée bientôt également. Elle sera communiquée ultérieurement. Nous avons suivi pendant quelques mois déjà les réunions organisées par le département intercession avec les autres départements, les réunions de prière, les réunions d'entretien et tout ça.
Et là, c'est fini. Je crois que le dernier département est passé, c'est la bibliothèque samedi dernier, hier. Et donc, à partir de samedi 16, l'intercession revient comme d'habitude. Ils vont se réunir ici de 9h à 11h tous les samedis. Et les responsables de département doivent participer à ces temps de prière. Et toute l'Église est conviée, bien évidemment. Si tu as en toi l'âme d'un intercesseur, viens prier, viens intégrer ce département et prie pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le groupe des hommes va passer sur le terrain pour les temps de prière aussi à Avambam ce samedi 16. Et le mercredi 13 juillet, c'est l'ancien Arna qui va recevoir un entretien ici à partir de 15h30. Les nouveaux convertis sont priés de rester après ce second culte pour les cours d'affermissement avec l'ancien Rick. Et le frère Ludovic va nous quitter pour un moment. Il va se rendre à Boué ce soir pour, si je peux dire ainsi, assurer l'intérim du frère Meyo qui vient sur Libreville pour son mariage. Et donc le frère Ludo va s'occuper de l'église de Boué pendant ce temps. Et il a besoin de nos prières, il a besoin que nous l'accompagnions, il a besoin. Parce que souvent quand on s'éloigne physiquement, c'est comme si on s'éloignait tout simplement. On ne pense plus à nous. Et voilà, donc continuons à penser au frère, prenons de ses nouvelles, prions pour lui, téléphonons. Et ainsi il saura qu'il a des frères qui le soutiennent. Parce que c'est une nouveauté pour lui, hein. Ça va être la première fois pour lui d'aller s'occuper d'une église comme ça. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et puis Boué, moi je ne sais pas trop quelles sont les entités qui se manifestent là-bas. Donc frère, vraiment, sois rempli d'onction pour faire face à toutes les éventualités. Et nous allons continuer de te soutenir de toutes les façons possibles. Et tout à l'heure, nous allons prier pour toi. Donc il y a nos frères qui se marient, nous le connaissons déjà, le frère Meyo et la sœur Anis vont s'unir par les liens sacrés du mariage. Ça va être le mariage coutumier et la bénédiction nuptiale. Donc le mariage coutumier, ce sera le 13 août ici à Libreville, et la bénédiction nuptiale le samedi 20 août ici à Libreville, ici à Sotega. Ici à Sotega, la bénédiction va se faire ici, donc tout Sotega doit se mobiliser pour prêter main forte au couple. Et de même, Jaël et Yonel vont également convoler en juste noces. Ce sera le 25 août pour le mariage coutumier et le 27 août pour l'état civil et la bénédiction nuptiale, les deux à Libreville. Donc prions pour eux, rapprochons-nous d'eux. C'est d'ailleurs, ça va être le groupe des femmes va se réunir tout à l'heure pour justement parler de ces mariages, voir comment au niveau des femmes on peut faire pour accompagner les sœurs. Donc, toute l'Église doit se mobiliser pour que les fêtes soient belles. Le frère Ferrel et la sœur Fernande se marient aussi le 27 août à la coutume, à Tibanga, et le 10 septembre à Franceville, bénédiction nuptiale et état civil. Soutenons nos frères, soutenons-les. Tous les mardis, nous nous retrouvons ici pour les temps d'enseignement à partir de 17h. Les jeudis, le pasteur reçoit un entretien à partir de 15h30, sans rendez-vous. Vous voulez rencontrer le pasteur, venez tout simplement. Et jusqu'à 18h, donc les retardataires vont attendre la semaine d'après. Et comme il est en déplacement, je pense qu'il va rentrer d'ici là. Ce jeudi, normalement, il est ici. Donc, préparez-vous à rencontrer le pasteur si vous le souhaitez. Et les vendredis, nous avons les temps de prière ici aussi également à 17h, de 17h à 19h. Et les samedis, les jeunes se retrouvent à 14h, sauf bien évidemment les 16, 23 et 30 prochains, pour cause. Et l'église sort en évangélisation à 16h tous les samedis. Le groupe de chants se retrouve ici pour les répétitions aussi à 17h. Et les dimanches, nous sommes ici dès 8h, 8h30 pour notre culte d'action de grâce. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous allons nous lever tout à l'heure au premier culte pour appuyer notre ancien par
rapport à la pensée de Dieu qu'il a su nous transmettre vraiment fidèlement. La pensée qui montait dans mon cœur, c'était de dire, et la Bible parle de cela, la Bible parle des gâteaux mal cuits. Quand nous ne progressons pas, nous sommes comme un gâteau mal cuit. Et un gâteau mal cuit, il est indigeste. On ne peut pas le consommer. Et ceux qui forcent, d'ailleurs, ont mal au ventre. Quand la farine n'est pas cuite, ça crée des problèmes de digestion. Et la Bible nous compare certaines personnes à des gâteaux mal cuits. Est-ce que nous sommes des gâteaux, nous voulons être des gâteaux mal cuits, indigestes, impropres à la consommation? Pour notre entourage, est-ce que nous sommes des gâteaux mal cuits? Pour notre famille, est-ce que nous sommes des gâteaux mal cuits? Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que nous sommes des gâteaux mal cuits? Pourquoi notre cuisson n'est pas à point? Pourquoi nous ne nous laissons pas cuire? Nous allons prier vraiment chacun pour sa part. Dis, Seigneur, j'ai entendu ce matin, tu as parlé à mon cœur, tu as parlé de ma vie. Et tu souhaites que je prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de mon âme. Et la prospérité passe par la progression. La prospérité dont nous parlons passe par la progression. On ne peut pas remettre une grosse somme d'argent à un petit enfant. Il va dilapider. Le Seigneur veut que nous soyons matures parce que tout ce qu'il a créé est appelé à progresser. Sur la terre, nous apprenons à vivre ce que nous allons vivre dans le ciel. Nous sommes de passage sur cette terre, mais notre finalité, c'est le ciel. Donc, nous progressons. Nous progressons. La progression ultime, c'est la vie éternelle dans le ciel avec le Seigneur. Alors nous allons prier, lui dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de faire des progrès dans chaque domaine de ma vie. Là où j'étais qualifié de colérique, que les hommes reconnaissent que je suis devenu un agneau doux, que la tempérance, la maîtrise de soi est mon partage. Nous allons tous prier, prions tous ensemble, chers frères et sœurs. Disons au Seigneur que nous avons besoin vraiment qu'il opère des transformations radicales dans nos vies. La transformation a un coût. Le changement a un coût. Parfois, nous devons passer par des tribulations. Nous devons passer par la souffrance, les difficultés, pour être véritablement transformés. Un gâteau mal cuit est un gâteau qui a été retiré du four trop tôt. Parfois, alors que le Seigneur est en train de nous émonder, il nous fait passer par le feu de la transformation. Il nous fait passer par le feu du changement. Mais nous nous retirons trop tôt. Et nos vies n'atteignent pas les objectifs que Dieu s'était fixés. Nous ne connaissons pas la destinée que le Seigneur avait prévue pour nous. Est-ce que nous allons continuer à agir ainsi? Seigneur, nous te supplions. Nous avons besoin d'être transformés, de vivre cette progression. Nous avons besoin de progresser, Seigneur, dans la foi et dans la connaissance de ton Fils Jésus-Christ, Père. Instruis-nous davantage, Seigneur, sur la question, pour que nos vies soient véritablement transformées, pour que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Seigneur, les années passent. Nous sommes à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion. Nous n'avons toujours pas progressé. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. C'est toi qui nous fais progresser dans la connaissance de ton Fils, dans la foi. Fais-nous progresser, Jésus. Nous voulons grandir. Nous voulons
grandir en sagesse, en intelligence. Nous voulons grandir en force, en courage. Nous voulons grandir, Seigneur, en amour. Nous nous recommandons à ta grâce parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Quelle que soit, Seigneur, notre bonne volonté, nous ne pouvons rien faire sans toi. Continue, Seigneur, de nous instruire et de nous conduire. Que ta pensée nous habite constamment, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Nous allons prier pour notre frère Ludovic qui va se déplacer. Nous allons le recommander à la grâce de Dieu, Seigneur. Voici ton fils que tu envoies en mission à vous. Seigneur, nous ne comptons pas sur ses capacités, nous comptons sur le grand Dieu qu'il sert. Tu le connais mieux que nous, Seigneur. Et nous prions pour qu'il soit fortifié. Seigneur, que ta passion anime son cœur, qu'il soit passionné de ton œuvre, qu'il soit passionné des âmes, Seigneur, que tu nous confies, qu'il soit un bon berger, un bon pasteur. Animé, Seigneur, de ton Esprit Saint. Dépose sur lui, Seigneur, l'onction de l'évangélisation. Dépose l'onction de l'évangélisation. L'onction pastorale, Seigneur, sois capable de paître des brebis. Sois un bon pasteur selon toi. Que le fruit de l'Esprit, Seigneur, se manifeste dans sa vie. Donne-lui le courage, Seigneur. Dis-lui, comme tu as dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Voyons pour nous. À travers sa vie, ton nom soit glorifié. À travers sa vie, ton nom soit honoré. Et les âmes viennent à Christ. Seigneur, merci de pourvoir à chacun de ses besoins. Merci pour la sécurité que tu assures. Merci, Seigneur, parce que tu vas le garder au creux de ta main, car il est la prunelle de tes yeux. Merci, Seigneur, parce que tu le remplis de ta puissance, qu'il soit capable de combattre tous les Goliaths qui vont se présenter devant lui. À la montagne, qui est sur montagne devant ce Babel mon serviteur. Et ce matin, tu as plané toutes les montagnes devant Ludovic, car il est ton serviteur. Rien ne va résister à ton serviteur, parce que tu es avec lui. Alléluia. Merci Seigneur pour la semaine qui va commencer demain. Une semaine d'espoir et de victoire en Jésus-Christ. Nous te recommandons chacune de nos familles, nous te recommandons le peuple gabonais, nous te recommandons la nation gabonaise tout entière. Nous te rendons honneur et gloire et nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.